if this one came off while we were driving. Hawks a fait du cinéma, non pas exactement toute sa vie, mais enfin une très grande partie de sa vie, puisque c'est quelqu'un qui vient de Californie, qui a fait des études qui l'ont mené à un diplôme d'ingénieur, qui s'est intéressé beaucoup à l'aviation et à l'automobile, mais qui est venu donc assez jeune, au début des années 20 à Hollywood, donc à l'époque du cinéma muet. Il a commencé en bas de la hiérarchie comme accessoiriste, et puis il a gravi les échelons, il a été scénariste, et il a réalisé dès le muet un certain nombre de films. C'est vraiment le passage au parlant qui lui a permis de montrer la plénitude de ses moyens, avec sans doute son premier très grand film, son premier chef-d'œuvre, qui est Scarface, qui reste un des plus grands films de gangsters jamais tourné à Hollywood. Ce qui est intéressant chez Hawks, c'est que il n'est pas vraiment associé de façon durable ou permanente avec un studio en particulier. Bien sûr, il était sous contrat avec une succession de studios, mais avec toujours des clauses qui lui permettaient de tourner son film suivant avec un autre studio plutôt qu'avec le même. Il a à l'égard des studios l'attitude que je pense qu'ont certains hommes à l'égard du mariage, c'est-à-dire il veut pas s'engager de façon définitive. Donc il a déjà tourné plusieurs films pour la Fox et il retrouve la Fox quand il tourne Aller coucher ailleurs, I was a male war bride. Il y a eu un certain nombre de problèmes au moment du tournage. D'abord, bien entendu, le film a été tourné en Allemagne, à l'automne 1948, ce qui, évidemment, est une des caractéristiques et un des charmes et une des sources du comique du film, ce tournage en extérieur réel. Alors, selon les anecdotes, d'une part, il y avait les problèmes qu'on peut imaginer du temps qu'il faisait, puisqu'on tournait en extérieur. Mais apparemment, là où ça a été le plus difficile et le plus désagréable, c'est quand l'équipe s'est transportée en Angleterre. Les interprètes principaux sont tombés malades. Anne Sheridan a eu une pleurésie, ce qui n'était pas trop grave, mais Cary Grant, lui, a eu une hépatite et il a failli littéralement y passer. Le tournage a dû être arrêté et a été repris après plusieurs mois d'interruption en Californie, cette fois-ci, à Hollywood. Cary Grant s'est rendu compte qu'il était souffrant au moment de la scène où Anne Sheridan et lui découvrent que finalement, ils ne se détestent pas, mais au contraire, ils tombent dans les bras l'un de l'autre, donc la fameuse scène de la meule de foin. Et Hawks disait, Cary Grant est entré dans la meule de foin et il en est ressorti, il avait perdu 10 kilos. Au fond, il y a deux sortes de films de Hawks. Il y a tout ce qu'on peut appeler des films d'action. Ça veut dire des westerns, des films criminels, des films concernant des aviateurs, films d'action avec des groupes de professionnels qui sont des hommes aussi, parfois quelques personnages féminins, mais des femmes qui sont plus ou moins intégrées dans le groupe masculin, dans l'univers viril de ces professionnels. Films où les hommes sont très maîtres de ce qu'ils font, ils ne font pas de sentiments, quand il y a un accident, une mort, etc. Bon, c'est vite intégré, expédié. Et puis en face, il y a les comédies, et alors évidemment, c'est le miroir qui renverse complètement cette image. Dans les comédies, on est dans un monde où les hommes sont complètement infantilisés, c'est le monde de la régression, et ce sont les femmes qui prennent les choses en main, des femmes qui sont là complètement dominatrices. Dans Aller coucher ailleurs, donc,
Là, le personnage de Cary Grant n'est pas dans un premier temps ridicule, mais il le devient à cause des situations. Et à côté de lui, donc, Anne Sheridan, qui est à la fois une très belle femme, enfin, qui a un côté imposant dans son physique. C'est quelqu'un, on a l'impression qu'elle serait capable d'assommer peut-être Cary Grant, qui n'était pas quelqu'un de très athlétique. C'est elle qui conduit le sidecar, etc. Donc c'est elle, au fond, qui, littéralement et au figuré, qui porte la culotte. On ridiculise pendant un certain temps l'homme, notamment quand cet homme est transformé en femme temporairement, c'est-à-dire le thème du travestissement. Mais en femme, enfin, le problème du travestissement, c'est que généralement les hommes transformés en femmes, en tout cas dans le cinéma de Hawks, mais de façon assez générale, sont ridicules, même quand c'est un homme aussi séduisant que Cary Grant. Dans L'impossible Monsieur Bébé, il est ridicule, mais il n'est pas complètement grotesque. Tandis que dans Aller coucher ailleurs, bon, là, on est carrément dans un comique grotesque, bouffon. Il y a ce renversement des rôles, et il y a souvent, malgré tout, à la fin, mais ça, c'est un des traits aussi habituels de la comédie en général et de la comédie hollywoodienne en particulier. Bon, à la fin, tout rentre dans l'ordre, ou paraît rentrer dans l'ordre, on revient à une distribution plus traditionnelle des rôles masculins-féminins. Dans Aller coucher ailleurs, il y a aussi des éléments tout à fait traditionnels de la satire des bureaucraties, des administrations, qui font quand même de ce film un film bien spécifique, alors que dans L'impossible Monsieur Bébé, par exemple, il y a un autre thème qui court dans les comédies de Hawks, c'est la satire des intellectuels, la satire des savants. Là, c'est autre chose, c'est plutôt la satire de la machine bureaucratique, de l'armée américaine. Dans Aller coucher ailleurs, les Allemands ne sont pas satirisés, mais celui qu'il est, c'est le même Cary Grant quand il s'habille en culotte tyrolienne, pour avoir l'air d'un indigène. Là, il y a une espèce d'auto-satire hollywoodienne par rapport aux stéréotypes nationaux véhiculés par tant de films hollywoodiens. Immédiatement après la guerre, il y a un nombre important de films qui ont été tournés en Allemagne et en extérieur réel, dont les plus connus peut-être sont La Scandaleuse de Berlin de Billy Wilder et Berlin Express de Jacques Tourneur. C'est une manière finalement d'instaurer une sorte de collaboration entre les Américains et les autres qui occupent l'Allemagne à ce moment-là, et les Allemands, donc donner du travail, ça, dans Aller coucher ailleurs, ça a joué un rôle important, puisque Hawks a effectivement donné du travail à un certain nombre de figurants, aussi bien allemands qu'américains, des familles, des soldats américains en Allemagne. Et puis, ça correspond en l'occurrence, de la part de Zanuck, patron de la Fox, ça correspond à un souci fréquent de faire des films qui aient un côté documentaire. Hawks, c'est un peu la quintessence du style hollywoodien classique. C'est-à-dire que c'est un style qui n'attire pas l'attention sur lui-même. C'est un style qui évite les plans trop spectaculaires, encore que bien entendu on en trouve, mais plutôt par exemple dans des westerns comme La Rivière Rouge ou La Captive aux yeux clairs. Mais dans les comédies, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de concentrer l'attention sur les protagonistes. Peu de mouvements de caméra, parce que ce sont les acteurs qui doivent faire l'essentiel du travail. Le travail consistant, bien sûr, en dialogue, très important chez Hawks.
les mimiques et puis les gestes. Il y a plusieurs passages extraordinairement comiques dans Aller coucher ailleurs où Cary Grant joue avec ses mains qui semblent devenues autonomes. Hawks entretient de très bons rapports avec un certain nombre des grands acteurs hollywoodiens, et des grands acteurs masculins hollywoodiens. On sait que Hawks était très lié avec Gary Cooper, qui l'a dirigé par exemple dans Le Sergent York. Il était assez lié également, manifestement, avec Cary Grant, puisque Cary Grant a tourné toute une série de films sous la direction de Hawks. Ça a commencé, sauf erreur, avec L'impossible Monsieur Bébé, donc comédie qui est d'une certaine façon le prototype d'Aller coucher ailleurs. Il y a eu Seuls les anges ont des ailes, qui lui est un des grands films d'action de Hawks, film sur des aviateurs, donc le genre de sujet qui tenait très à cœur à Hawks, qui lui-même avait été pilote à une époque où c'était évidemment les pionniers de l'aviation pendant la Grande Guerre. Cary Grant a encore tourné dans une autre comédie qui est intéressante aussi du point de vue du renversement des rôles, puisque c'est His Girl Friday. Donc, il y avait ces trois films à la fin des années 30, début des années 40, et manifestement, Hawks et Cary Grant avaient une relation très confiante, puisque Hawks n'a jamais envisagé qu'un autre acteur interprète le rôle principal d'Aller coucher ailleurs. Hawks, je pense, a lancé ou a contribué à lancer un certain nombre de stars. Il a donné à Montgomery Clift un de ses vraiment très grands rôles dans La Rivière Rouge. Il a contribué à lancer Angie Dickinson, qui s'inscrit tout à fait dans la lignée des héroïnes hawksiennes des films d'action. Dans Ligne Rouge 7000, il a lancé James Caan, un des acteurs qui a eu des carrières les plus longues à Hollywood. Alors, la star la plus connue sans doute que Hawks a vraiment lancée, c'est Lauren Bacall, qui a joué sous la direction de Hawks dans To Have and Have Not. Et Hawks avait vraiment pris Lauren Bacall un peu sous son aile protectrice, parce qu'elle était venue dans son bureau. Il l'a trouvée très belle, mais il a trouvé sa voix épouvantable, au perché. Il l'a fait travailler pour qu'elle ait une voix grave, qui a beaucoup contribué ensuite au charme et à l'image, si j'ose dire, de Lauren Bacall. Après Aller coucher ailleurs, la carrière de Hawks se poursuit, je dirais, de façon très, très harmonieuse et avec encore un certain nombre de grands films. La captive aux yeux clairs, le Big Sky, son grand western du début des années 50, qui en même temps a des qualités lyriques qui sont relativement exceptionnelles dans le cinéma de Hawks, qui est vraiment aux antipodes à cet égard d'Aller coucher ailleurs. Il y aura aussi La Terre des Pharaons, qui est un grand film antique, historique, sur la construction des pyramides. Film au scénario, au dialogue duquel a collaboré Faulkner. On sait que Hawks et Faulkner étaient très liés à Hollywood, ont travaillé ensemble à plusieurs reprises, et les problèmes qu'ils ont dû essayer de résoudre sur La Terre des Pharaons sont très intéressants aussi, parce qu'ils montrent la difficulté que Hawks lui-même ressentait quand il devait traiter d'un milieu qu'il ne connaissait pas. Et puis, Gentlemen Prefer Blondes, Les Hommes Préfèrent les Blondes, qui est un des grands rôles de Marilyn Monroe et de Jane Russell. Là aussi, renversement des rôles
deux femmes qui mènent les hommes par le bout du nez. Il y a eu aussi, bien sûr, Rio Bravo. Là, au contraire, c'est aux antipodes de La Captive aux yeux clairs, c'est un western en huis clos. Hawks lui-même a expliqué qu'il avait voulu prendre le contre-pied de High Noon. Le train sifflera trois fois parce qu'il trouvait le personnage interprété par son ami Gary Cooper et le personnage du shérif ridicule. Et puis, il y a ce film sur la course automobile, Ligne Rouge 7000, qui est très intéressant, ainsi que la comédie Le Sport Fabrique de l'Homme, qui, là encore, bon, n'est peut-être pas du niveau de L'Impossible Monsieur Bébé ou de Monkey Business. Lui qui avait été toujours tout à fait respecté à Hollywood, comme un pro, un professionnel, lui aussi, c'est la réputation qu'il avait, mais jamais considéré comme un de ces cinéastes qui mérite une reconnaissance officielle, artistique. Il n'a jamais eu d'Oscar pour aucun de ses films, sauf donc à la fin de sa carrière, il y a eu la reconnaissance d'un Oscar pour l'ensemble de l'œuvre.